bonjour à tous. Good afternoon, everyone. Aujourd'hui, elle est au cœur de l'actualité. Today is at the heart et moi, Catherine McGregor, j'ai la chance de diriger ce magnifique groupe qui est Engie aujourd'hui, qui est parti il y a maintenant quelques années à la conquête des énergies renouvelables. Its conquest a few years ago, et aujourd'hui, je voudrais vous en parler de ce groupe et de cette conquête, mais par le tout petit bout de la lorgnette. En vous parlant d'un projet, from different angle. Un projet justement d'énergie renouvelable project que nous avons mis en service il y a juste quelques jours, pas très loin d'ici à Marcoussis, en Ile-de-France. Alors, ce projet, je l'aime beaucoup, pour plein de raisons. Love this project. Alors, il y a bien sûr le fait qu'il va fournir de l'électricité The capacity of 286 solar panels on a surface of 200 000 mètres cubes of soil qui ont dû être enlevés pour modeler les sites. Tons and tons enfin, 26 000 et quelques mégawatts-heures par an d'électricité produite chaque année en moyenne. Et enfin, 18,8 millions d'euros d'investissement. Donc, plein de raisons d'aimer objectivement ce projet. Mais en fait, il y en a d'autres bien plus importantes. Et je vais commencer par vous dire que la première, c'est la localisation. Alors, ce projet est situé sur un terrain qui est en fait le résultat d'accumulation de friches Donc, une belle histoire de revalorisation des terrains industriels. So that's a Alors, deuxième point, une raison pour laquelle j'aime beaucoup ce projet, c'est qu'il s'accompagne d'une approche très originale à la biodiversité. Il intègre, par exemple, deux zones de 10 hectares qui sont dédiées à l'épanouissement de la menthe religieuse, du bruant jaune, et des insectes orthoptères. Alors, insectes orthoptères, ce sont les sauterelles, les grillons et autres criquets. Pour le reste de la friche, on va laisser la nature reprendre ses droits et on va bien sûr mettre en place un suivi très régulier afin de comprendre en fait l'évolution de la biodiversité de cette belle région. Autour des panneaux solaires, il y a aussi une clôture qui a été savamment conçue avec des trous qui sont parfaitement calibrés pour que les animaux de la région puissent en fait continuer à traverser les parcs solaires à leur loisir. Et puis enfin, bien sûr, les brebis, car ce parc, les brebis seront les habitants de ce futur parc, enfin seront les futurs habitants du parc quand en fait la nature aura effectivement repris ses droits. Donc une approche à la biodiversité très originale qui a été absolument centrale pour ce projet. Enfin, troisième et dernière raison pour laquelle j'aime particulièrement ce projet, c'est l'engagement citoyen. Alors, l'engagement citoyen, ce n'est pas que des mots, parce qu'il y a eu en fait un financement participatif. Et les habitants de Marcoussis en particulier et des communes avoisinantes ont contribué à hauteur de 1,4 million d'euros au financement de ce projet. Ce projet, on peut dire, a été levé extrêmement rapidement. Ils sont très fiers. Ils ont d'ailleurs réussi à
obviously, NG teams are very proud of it. They managed to develop this project in less than 3 years, from the beginning to the end, which shows that it is indeed possible in France to build projects rapidly. And the good news is that we have many more coming. So that's a very good story then. Obviously, we have to think about the energy challenges of today and of tomorrow. And to manage to fight against climate change and global warming, we have new renewable energy capacity with solar solutions, wind solutions, with methane and hydrogen. And there is this big challenge of social acceptability that we talked about a lot. There is even an anti-windmill movement, and we often say that we have to teach. And when I think about that, I believe that teaching is a lot about we know, so we'll teach you. We know and you don't. And we'll explain to you why this project is good. It's good for you, it's good for the country, it's good for the energy transition. And for me, Marc aussi is the proof that we don't need teaching. We need co-building, we need to work together, we need to work with people who have been elected, we need to work with the citizens so that we can build the best project for the environment, the best one for the communities, for the landscapes as well, and for the energy transition, obviously. On a more personal note, it's been 9 years since I started working at ENGIE, and when I'm thinking about what happened there, most of the experiences I've had there are the ones who gave me the most. So yes, ENGIE is in the industry that allowed to integrate this local aspect.